Bonsoir, nous allons refaire un exercice de Tabata pour les enfants, cette fois-ci un peu plus grands, 8 ans, 10 ans. Donc c'est Sidonie qui est avec nous et qui va nous présenter son circuit qu'elle a imaginé. Donc elle va nous faire les démonstrations. On commence avec l'exercice numéro 1 où elle soulèvera des livres. Elle fera le tour de la pile de livres pour reposer, pour en récupérer un deuxième. Et à chaque fois, elle rajoutera une charge supplémentaire. L'exercice numéro 2 consiste à récupérer le sac et de le soulever au-dessus de sa tête. En pliant en squat, elle pose le sac au sol et elle le relève au plafond. L'exercice numéro 3 qui consiste à venir s'asseoir sur la galette rouge et repousser le sol sans céder des mains. Elle doit se redresser. L'exercice numéro 4. C'est l'exercice du climber où elle s'installe en appui sur ses mains. Elle doit relever les genoux vers le buste. L'exercice numéro 5, elle va donc s'installer pour une position planche et faire des burpees. Les mains dans le sol, elle repousse pour dégager ses jambes en arrière, ramener sous les hanches. Exercice numéro 6. Elle doit ouvrir ses jambes et toucher une main, puis avec l'autre main, le petit papier accroché au-dessus de sa tête. L'exercice numéro 7, elle va se mettre en planche inversée. Elle va tirer les bras au-dessus de sa tête ou alors garder les mains derrière la tête. Tirer ses jambes jointes et rester dans cette position en rentrant le ventre, en soulevant les omoplates. Exercice numéro 8, ça sera le dernier exercice. Elle récupère la bouteille d'eau pour venir s'asseoir sur le canapé et repousser. Peut-être ajouter un petit rebond en finalité. Allez, bien joué, on y va. C'est parti pour 20 secondes de travail sur la musique de Tabata. Attention, ça n'a pas commencé encore, on attend. Allez, c'est parti, go. Allez, on respire, super. Très bien. Alors, on peut même changer de direction, changer de sens. On plie bien sur les jambes, le dos droit. Super. Exercice numéro 2, on est dans la récup. Elle s'installe tranquillement. Récupère son sac. Et au-dessus, on souffle. On repose au sol. Et on garde toujours le dos bien droit. On lève les yeux. Encore, encore, c'est pas fini. On peut attendre que... Si c'est trop difficile, on peut le faire sans sac. Une option. Numéro 3. On récupère un tour. On attend le départ. Allez, go. C'est un exercice qui est pas évident du tout. Il faut bien rapprocher les talons, les fessiers. Et soulever les bras. Super, ça c'est très bien. Allez, les yeux de face. On continue, on n'a pas fini. On serre le ventre, on repousse, on souffle. Yes. Très bien. Récupère, c'est l'exercice numéro 4 du climber, le grimpeur. Le grimpeur. Le grimpeur. Super. Reste bien aligné. Va moins vite si c'est trop difficile. Il faut que les bassins restent stables. Bouge pas ta tête. Voilà. Garde bien les mains sous les épaules. Voilà. De profil, on voit mieux l'exercice. Exercice numéro 5. Exercice du burpee. Repousse le sol avec les mains. Dégage les jambes derrière. Allez, saute. Oui. Pas trop vite. Fais une belle planche. Belle planche. Jambes droites tendues. Tire bien tes jambes derrière toi. Super. Passe à l'exercice numéro 6. On ouvre les jambes. Allez, replier, replisser. C'est un bon travail. Main droite, main gauche. On repousse le sol. Travail de la détente.
Super. On passe maintenant à l'exercice numéro 7. Un peu difficile aussi cet exercice où il va falloir rester stable. On tire les jambes loin devant. On soulève les omoplates. On rentre son ventre, le nombril vers l'intérieur. On résiste. Si c'est trop difficile, on peut poser la tête, les pieds. Stop. Exercice numéro 8. On récupère la bouteille. Pour venir s'asseoir sur le canapé, on fesse en arrière. On écrase les talons et on repousse la balle du pied pour faire des petits sauts. Elle n'est pas obligée de sauter, elle peut très bien faire son exercice sans rebond. Ok, bravo Sidonie, bravo. On peut l'applaudir très fort. Et j'espère que vous ferez pareil à la maison. Merci pour l'idée. Il y a pas mal d'enfants qui m'ont envoyé des petits messages comme ça avec des petites vidéos et notamment Adrien. Et je vous félicite à tous. Allez, courage, bon confinement. À très vite.